réaction des réacteurs Mako. Mais de nombreux. Une créature féroce est dans les parages. J'ai identifié cette race de basilic. Voici ce que je peux vous dire à ce sujet. Le basilic est capable de se rendre invisible dans son environnement en changeant de couleur pour s'approcher de ses proies. La chira est... Éparait-il des recherches sur cette extraordinaire capacité de camouflage? On rapporte en outre que cette espèce rare de basilic est capable d'adapter également les propriétés de sa peau aux variations de température, d'humidité et de luminosité de son environnement. C'est un peu le Shinobi de Cosmo Canyon. Tâchez donc d'ouvrir l'œil pour mener à bien cette mission d'étude zoologique. Rempli cette mission avec brio. J'ai eu
l'impression que c'était trop facile, non? Je savais que vous gagneriez, Cloud. En implémentant dans le simulateur toutes les données que j'ai recueillies, j'ai réussi à mettre au point un nouveau programme de combat. Certes, Mai m'a aidé à sa façon, mais c'est moi qui l'ai conçu. Essayez-le dès que possible. De Cosmo est désormais terminée. Merci pour votre aide. Néanmoins, je me demande s'il serait raisonnable de renforcer davantage Néo-Bahamut. Un tel allié est rassurant, mais sa puissance m'effraie. Je ne sais que penser. Oh, mais où avais-je la tête? Vous ne possédez encore aucune matéria d'invocation, Cloud. Pour en obtenir une, vous devez défier un Esper dans le simulateur de combat.
cherchant dans de vieux documents, j'ai découvert que les Cetra ont enfermé dans l'un des sanctuaires quelque chose venu d'un autre monde. Du moins, c'est ce que dit une légende. Ah mais oui, j'en ai entendu parler moi aussi. Il me semble que c'était au sujet des Guy. Oui. Cependant, compte tenu du signal caractéristique que j'ai détecté, je suis arrivé à la conclusion que ce qui est enfermé quelque part dans ces ruines est plus vraisemblablement une proto-relique. Mais pour l'instant, réparons les fontaines de Mako. Je pense que le flux de rivière de la vie va nous guider vers l'emplacement de la proto-relique. J'ai préparé de nouveaux modules de programmation pour Chadley Junior. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. Tu te rappelles quand on s'est promis de venir ici tous ensemble? On avait passé un bon moment ce soir-là. Oui. La soirée où on testait des nouveaux cocktails. C'est vraiment celui-là le meilleur pour moi. Le nouveau cocktail sera le Costa del Sol, c'est décidé. T'as déjà assez bu comme ça. Mais non, t'inquiète pas. Personnellement, je préfère le Cosmo Canyon. Il est relativement bon, je dois l'avouer. Mais je sais pas, il lui manque quelque chose pour gagner. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Surprise! Du sel de Cosmo. Un cocktail qui s'appelle Cosmo Canyon devrait contenir un peu de ce sel. Allez, goûtez pour voir. Vous m'en direz des nouvelles. Du sel de Cosmo, tu dis? C'est une variété de sel gemme qui vient du sanctuaire de la planétologie. Et je peux vous dire qu'on n'en trouve pas facilement. Waouh! Comment ça peut changer autant? C'est dingue! J'en reviens pas. Incroyable! C'est vraiment le truc qui manquait. Oui, mais bon, si c'est si difficile d'en trouver, ça va nous poser un problème.
J'en ai acheté beaucoup plus. Avec ça, on devrait tenir un bon bout de temps. Tu te rends pas compte, il en faut encore plus. Si ce nouveau cocktail remporte un franc succès, la réserve va vite s'épuiser. Avant que ça arrive, on pourrait aller tous ensemble à Cosmo Canyon. Là-bas, on achèterait tout le sel qu'on peut trouver. C'est simple. Bonne idée! J'ai toujours rêvé d'aller visiter Cosmo Canyon. Je savais que tu serais pour. Non, mais vous plaisantez. On a à peine les fonds pour mener nos activités. Alors on risque pas de se payer un voyage. Tiens. Ok, ça vaut le coup d'y aller. Voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Ça va être génial, tu verras. Levons nos verres pour notre leader. Santé. Santé. J'aimerais que vous soyez toujours aussi enthousiaste. Les amis, on y est. Même si ça nous aura pris plus de temps que prévu. Oh ben, vous avez déjà terminé? Ça fait un moment. Allez, passons aux suivantes. Ok. Vous êtes arrivés avant nous, cette fois. De nouvelles créatures rôdent près de la fontaine de Mako, ce qui complique encore plus les choses. Est-ce que Chadley pourrait aider? Je suis là, les amis. J'ai préparé de nouveaux modules de programmation. Ils devraient vous permettre de faire face aux attaques de ces créatures revêches. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dirait que c'est réglé. Ouais, désolé pour l'attente. Tu parles? Je me demande ce qu'on aurait fait sans vous. On a vraiment servi à rien. Puisse la volonté de la planète vous guider. Allez, suivant. À ton tour, Wedge. Regarde au fond de toi et laisse parler ton cœur. Hein? Moi? Ouais, le célèbre gourmand du bidonville, Wedge. Alors, voyons... Et parle un peu plus fort. Alors moi, disons que j'aimerais pouvoir me rendre un peu plus utile. J'ai toujours l'impression d'être un poids pour vous. Oh, tu recommences avec ça? Sérieusement, qui c'est qui aurait pu dire un truc pareil? C'est moi? C'est Biggs? Ou c'est quelqu'un d'autre? Oh! Non, personne ne l'a jamais dit! Mais bon, c'est parce que vous êtes tous beaucoup trop gentils. Tu trouves vraiment qu'elle est trop gentille, celle-là? Eh oh, tu me cherches là ou quoi? Regarde, quoi? Tu vois, elle est pas du tout gentille. C'est bon, arrête. En tout cas, aucun de nous n'a jamais pensé que t'étais un poids. Il fallait tout le temps qu'il se rabaisse, alors qu'il n'y avait pas de quoi. Il se rendait pas compte. Il voulait toujours en faire plus. Il se donnait déjà à fond pourtant. Ouais. Bordel. Il aurait bien mieux fait de se donner à fond uniquement dans la bouffe et les chats. On y va?
J'ai repéré l'emplacement d'une créature particulièrement féroce. Il semble qu'un dragon vicieux s'est réveillé dans la région de Cosmo. Il vaudrait mieux l'éliminer avant que ces terres ocres ne deviennent rouges sang sur son passage. Yeah!
Ça pourra certainement vous être utile pour la synthèse. Je vous conseille de le garder précieusement.